vous, chers collègues. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bloc-notes et aujourd'hui, on va explorer l'espace de collaboration. Alors, par définition, l'espace de collaboration, on nous le dit, mais les élèves et les enseignants également vont pouvoir modifier la même page en temps réel. Donc, elle est vraiment collaborative. Alors, afin d'utiliser, de commencer à utiliser cet espace de collaboration, cliquez tout d'abord sur « Ajouter une page ». On voit qu'une nouvelle page s'ouvre. Pour le moment ici, rien de bien extraordinaire. C'est exactement la même chose que sur les autres pages de bloc-notes. Sauf que maintenant, tout ce que je vais ici noter dans cette page va pouvoir être annoté et modifié par les autres élèves qui vont également se trouver directement ici. Alors, si j'ai envie de voir qui a posté un message ou un contenu audio, peut-être un extra lien ou bien une image sur cette page, je vais pouvoir me rendre dans Affichage qui se trouve juste ici au-dessus. Et dans Affichage, il y a une fonctionnalité qui est extrêmement pratique, c'est Afficher les auteurs. Si je clique sur Afficher les auteurs, je vais pouvoir immédiatement voir qui a posté le contenu, le message, ce qui peut éviter justement d'avoir des contenus qui sont indésirables. Toujours dans la même optique de pouvoir se prémunir contre des contenus indésirables sur cette page de collaboration, ou tout simplement pour stopper la modification en temps réel par tous les participants, je vais pouvoir également me rendre dans le bloc-notes pour la classe et ensuite aller cliquer dans la fonctionnalité gérer les bloc-notes. Une fois dans cette fonctionnalité gérer les bloc-notes, j'aurai également à ma disposition la possibilité de verrouiller l'espace de collaboration. Et une fois que cette icône est verrouillée, eh bien plus personne ne peut modifier le contenu, mis à part moi, l'enseignant. Et ça va beaucoup me servir pour pouvoir, par après, eh bien utiliser ce contenu pour une correction sans avoir peur qu'elle se modifie, par exemple.